Bonjour à tous. Bonjour à tous. Épisode numéro 3. Bon, on a fini de traiter le champ d'herbe qu'on en a fauché, hein. On a mis, donc la chaux, vous l'avez vu, on a mis l'engrais. Voilà. Parce qu'on a fait des tests avec un rouleau de prairie. On a tout revendu. C'est pour ça que ça montait un petit peu là-haut au niveau finance, parce qu'on a tout revendu. Il y en avait un cultivateur qu'on avait posé là-haut, mais qu'on n'avait pas encore vendu. Donc là, on va aller moissonner un champ de blé pour en prévision de mettre les poules, n'est-ce pas? Oui, on met des petites Les poules. patates à popole. Allez. C'est parti. Et moi, je te suis avec la presse. Voilà, moi j'ai moissonné. Chris, il va presser derrière moi. Est-ce qu'il est pressé? Non, pas du tout. Et non, raté la blague. Alors normalement, j'ai dit qu'il fallait que je sorte là à droite. Je vais mettre des jambes à l'intérieur. Voilà. On va mettre des gyrophares. Voilà. Donc là, je sors à droite. Je passe le pong. Tu reprends le petit C'est chemin? champ 22 qu'on voit sur Hop, je t'ai vu le passer, je t'ai plan. vu. Il est pas très loin, il est juste là. Tac. Il est là. De quel côté qu'il faut que je j'attelle moi? Le Faut que tu côté attelles du... gauche. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc je vais faire ça comme ça. Ouais, comme ça là, voilà. Voilà, tu l'as. T'as une sacrée abuse là-dessus, hein? Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Eh, dis donc. Là, tu rigoles pas, là. Ah, là, ça abuse, hein. La buse-buse. C'est pas grave, c'est pas grave. Tranquille. Et craque la buse. La vie, c'était marrant. Allez, je vais rechercher. Voilà, je vais regarder si je fais des balles. Des balles. Ça m'étonnerait. Ça, c'est sûr que non. Activer la coupe en andin. Moi, je vais rester là Activer la et je... coupe en andin. Voilà. Ah là, tu vas encore prendre un coup de but si tu viens là. Mais non, même pas peur. Ah, t'es en train de me coincer par contre. Non, Attends, j'arrive. c'est bon. Non, il y a quelque chose qui me coince là. Si, ça doit être toi. C'est Il parti. en prend. Il en prend de la place. Mais il en prend de la place à lui tout seul. C'est pas Elle est pas possible. petite ta bécane. Tout ça pour passer, pour prendre tout l'écran pour lui tout seul. Non, mais c'est incroyable ça. Aïe aïe aïe. La benne, on l'a mis où? Alors attends, je suis en C'est train de qu'il y a le réfléchir. pulvérisateur. Ah oui. Elle a à fond mouvant. Pourquoi j'avais pu avancer là? T'as enlevé le frein à main, moi? Ah, pourquoi qu'elle n'avançait plus? Elle s'est bloquée comme s'il y avait un obstacle. Ah, il y a peut-être une bosse dans le champ. Ben non, j'ai reculé, j'ai ravancé, ça a passé. Bon, faut pas chercher à comprendre. Non, faut pas chercher à comprendre comme tu dis. Ah, là, il y a Snarb. J'ai cogné dans l'arbre, il a tremblé là. Tu m'étonnes. Hop, on va lever la coupe. Quand même. Ah bah oui, mais c'est. Il y a quelque chose qui me bloque là. Faut que je regarde. Un fil de fer? Ah bah non, bah c'est
C'est cette buse qui me gêne. Comment ça? Ah bah elle est tellement longue. Ah quand tu tournes? Ah ouais. Ah oui, faut anticiper alors, ouais. Maintenant je sais. Ouais, faut anticiper. Pourtant là, elle est déportée par rapport à l'extérieur du champ parce que elle est à l'intérieur. Pour que je puisse faire déjà le détourage. Donc il y a la largeur de la mécane en plus et ça arrive à aller chercher l'herbe quand même. Ouais, c'est. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ne paniquons pas. Non, ne prenons pas la tête. Ça ne vaut pas le coup. Bon, un petit peu de blé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les poules. Ah tiens, t'as couché l'arbre. L'arbre il est penché comme si il voulait tomber maintenant. Ça c'est un coup de buse. Mais franchement, la buse derrière. Ouais, faut anticiper. Elle est chiante, hein. Bah on a voulu la grande buse. Oui, mais je crois que je vais prendre la taille intermédiaire. Je vais la modifier. Ouais, bon. Parce que là, elle est trop embêtante. Je finis de faire le tour, puis je la modifie. Et franchement, tu raccroches partout. Bon, là, ouais, c'est l'arbre, c'est différent. Faut dire que là, les arbres, il y en a un paquet là. Ouais. Là, il s'est fait plaisir. Là, il s'est fait plaisir. Moi, je préfère des petites haies que des arbres comme ça. C'est source de problème. Tu mets, même si t'as un tracteur trop haut, tu tapes dans les branches. Non, parce que les branches, ils sont pas en collision. En général, quand c'est comme ça. Ah, il est gentil, le français, s'il a fait. Il a fait ces trucs, je te dis pas. De quoi? Là, t'as des zigs. Configuration des roues. Alors, c'est quoi la. Ah, buse, voilà. Ah, celle-là, elle est plus courte. Et ce sera largement. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, je pense que ce sera suffisant. Parce que l'autre a été beaucoup trop longue. Oh bah, il m'a défilé la coupe et tout le bordel, lui. Faut pas t'embêter. Ah, mais même arrêter le moteur de la bécane. Oh là 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 là. Allez, on enlève le frein à main. Hop, et c'est reparti. Et là, je suis sûr que je vais pas être gêné. Voilà. Si, je suis gêné quand même. Oh la vache. C'est pas possible. Non, mais c'est quoi qui me gêne là? Non, alors là. Là, je sais pas ce que c'est. Là, il y a quelque chose qui me gêne. Quelque chose qui est invisible, là. Hein. Ah oui, là, il y a un malaise dans le champ, là. Ah, ils sont trop près. Ouais.
Moitié de buse, de cuve. Ouais, il y a un truc par terre là qui gêne, hein. Là, j'allais voir à pied. Bon, ça, c'est qu'un détail. Si vraiment il y a quelque chose qui gêne et puis que je peux pas l'enlever, bah, je coupe le champ à court et puis voilà, hein. Bon, j'espère que les deux premiers épisodes ils vous ont plu. Là, maintenant que vous êtes en train de regarder ce troisième épisode qui normalement est le vendredi, si vous avez des petites suggestions à nous faire, des idées à nous donner, on est preneur. Il va falloir hâtivement que l'on trouve le nom de la partie parce qu'on n'a toujours pas pour que je puisse faire la miniature, sinon on n'est pas bien. Ah, où est-ce qu'il est, mon ami Chris? Il est là-bas. Hop, je vais stopper là. Ah, tu vas rester où tu es là, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, je vous ai dit. Maintenant, ça, vous en avez l'habitude. Tac. Voilà. On va faire la petite miniature comme ça. On voit la botte là-bas. Et voilà. Merci pour le photographe. Voilà. C'est parti. Pas ça que je vais faire, c'était ça. Ah oui, parce que la miniature, faut y penser hein, quand même. Hein. Sinon, je mets un écran noir hein, sur la miniature. Un écran noir. C'est que là, il y a un mur. On va faire un troisième détourage pour avoir de l'espace. Voilà. Hop, je vais m'arrêter là. Je vais aller voir pourquoi que ici je vais. Mais il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout qui me gêne. Alors moi je dirais que c'est le terrain. Ouais. Ah, il y a une bosse là ici. Il y a une bosse. Vous avez vu? Et ben la bosse, on va y faire sa fête. Hop. On va faire ça ensemble. Ah oui, on la voit bien la bosse. Ah. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, je suis sûr que ça va plus gêner comme ça. Ah, parce que tout à l'heure, ça n'allait pas quand même, hein.
Allez, c'est reparti. Ouh, ça a du mal en pleine côte là. Ouh. Ça va toi quand tu remontes la côte là, Chris? Ah oui, moi ça va très bien. Ouais. Et là, t'as vu, la voix se batte, elle a eu du mal, hein? Oui, j'ai vu ça là, ouais. Malgré qu'elle est puissante. Ouais. Mais vu ce qu'il y a déjà sur le sol, on voit au niveau caillou, on Ah, devrait pas être mal. oui, c'est vrai, il y a les cailloux à ramasser. Et on va se faire plaisir à ramasser les petits cailloux. Bon, je vais chercher une benne. La benne, elle est là ou... Ouais, non, mais bouge pas, bouge pas. J'arrive. Je suis Tu me la dedans. ramènes? Ok. Ah oui. Oh oui, tu vois, la buse, elle est largement assez grande. Hein. Oh là là, ouais. Toi, je viens de la déplier, là. C'était de la folie d'avoir pris la grande. C'est moi qui avais voulu prendre la grande, hein. Ouais, parce qu'elle se pliait en deux. Elle se Ouais. pliait en Et bout. puis, en fin de compte, tu vois, bah, celle-là, elle est très très bien. Quand tu as pneu, quand tu as pneu. Voilà. Eh ouais, monsieur. Impeccable. Je croyais que la trémie était plus grande que ça là-dessus. Non, c'est une. T'en avais combien dessus? À 9000. Non, parce que c'était celle du. C'était la mauvaise batteuse. Là. Je vais y arriver. C'est la moissonneuse batteuse au-dessus qui est plus grosse. Ouais. Ben, j'ai peut-être cru qu'on avait pris l'autre alors. Bon. Non, c'était celle avec tous les itex qui était plus grosse. Ah oui. Elle avait. Elle était une 12 000, je sais plus combien. Bon, bah déjà 9000, c'est bien. Hein. On est là aussi pour. On verra après, par la suite, plus tard. Ouais, Peut-être mais. qu'on Pour achètera plus l'instant. gros. Ouais, pour l'instant, c'est très bien comme Pourquoi ça. pas? Mais là, pour l'instant, hein, Ça nous suffit. on va pas avoir les grands yeux tout de suite. Sinon, on n'a plus de plaisir de dévoluer après. C'est Exactement. déjà qu'on n'en commence pas déjà petit. Donc, c'est plus difficile d'évoluer automatiquement. Hein. Ouais. Et après, on peut. Enfin, c'est pas vraiment évoluer, mais après, on peut changer de marque ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et si l'entreprise, elle tourne bien, on se fait un match de pognon, on peut faire ce qu'on veut après, hein, on peut s'amuser, hein. Ah oui. De manière, c'est ce qu'il faut, hein. C'est qu'à chaque mois, moi, sur mes parties, les animaux, je mange jamais grand-chose de mes animaux et Mais là, faut qu'on y aille, hein. Là, faut qu'on aille jusqu'au bout, hein. là, ça m'embête à chaque fois. Bon, sur The Valley, on a déjà vendu du lait quand même, on s'est déjà servi du lisier, du fumier. Bon, les poules, les œufs, on n'a même pas encore une palette de plaine. Les moutons. On a déjà des palettes de laine, mais on n'a pas vendu parce que c'est pas le moment encore. Reste les cochons, mais les cochons, on vient de les mettre en place. Et pareil, les cochons, bah, il va falloir qu'on en achète beaucoup plus, hein, je pense. Va falloir qu'on étudie ça sur ce map-là. Oh non, mais là, faut qu'on aille jusqu'au bout des animaux, là, quand même. Pour... C'est vrai qu'on a tendance à... Ça se passe bien pour l'instant, ça va. Oui. À part Oh juste ouais. le petit tanicroche du champ en bas là, mais bon, je l'ai modifié. Oui. Maintenant, il est réparé. Enfin, je l'ai lissé, quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une bosse.
Et en fait, la coupe, elle devait être prise de la Ouais, bosse. à buter dedans. Ouais. Mais comme j'étais en vue intérieure, j'ai pas vu. Pourtant, je me suis C'est mis en quand vue extérieure après, mais j'ai pas vu non plus. je t'ai vu, moi j'étais derrière, j'ai dit non, c'est pas la buse. Mais de toute façon, la petite buse, il n'a assez. Ça, c'est même pas la petite, celle-là. Hein. C'est la moyenne, celle-là. La moyenne, ça. Après, C'est trop large. petit, non? Trop petit, j'aime pas parce qu'on est trop près de la machine et puis des fois, on est gêné. Ouais, t'accroches avec ta coupe. Ouais. La moyenne, ça va. Bah, par rapport à la coupe que l'on a, c'est bon. On a largement la place pour placer la remorque. Ah, il me suit de près, hein, le Chris, hein? Ah ouais, je te suis J'ai de pas près intérêt là. à À descendre. jeter à Ben l'œil. non, ça se... il va finir par me pousser. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et c'est étonnant parce que ça fait pas beaucoup de ballots de paille quand même. Pareil, c'était un champ acheté étouffé, ça. Hein. Tu verras que si on Mais... leur fait. Je pensais que tous les champs que l'on a, vu que c'est la première fois qu'on les fait, qu'on les ressème de la même culture. Qu'est-ce que t'en Ah, tu veux penses? voir pour voir ce que ça donne? On peut noter la. Noter la capacité de récolte. Ouais. Pour voir un peu vraiment si. Si ça y fait ou pas. Bon, Il y a je une grosse pense que différence. oui, hein, mais ça permettra de vérifier, quoi. Exactement. Et j'ai un an d'avance. Un mandat d'avance. Ah si, hein, j'en ai un à ma droite. Ah ouais, j'ai vu. Ah J'ai vu. oh, vous étonnez pas, hein, on est tout le temps en train de se taquiner. Exactement. Ah, t'es à 50%. Hein. Ouais. 80. Ah, pas mal. Il y a déjà eu la 50. Ouais, ça va faire deux trémies. Un peu plus. Là, je suis déjà 85. Oh, ouais, pas beaucoup plus, remarqué. Non, non, t'as raison. Hein. Pour ce qui reste, ouais, c'est vrai que. Pas bien gras. Ça va bien cette petite moissonneuse batteuse, non? Finir la petite tibogala en espérant que ça tienne dedans. Je suis à 92%. Oh, je pense que ça va tenir. Je pense que ça devrait. Peut-être, hein. Oh, 95. Ah,
Il va rester 10 épis de blé, c'est tout ce qui va lui Et rester. il va rester trois brins, ouais. Non, ça va tenir. Il y a 96. Et voilà. C'est cool. Hop. La benne, allez. Au bout. Là-bas. Et en fait, une buse aussi longue que j'avais pris, je me demande un peu à quoi ça peut servir en fait. Ça sert quand t'as des gros tombereaux Parce que je avec vois des grandes. celle-là, elle est quand même. Bientôt, tu mettras encore une remorque entre la moissonneuse-batteuse et pilote. Quand t'as des grandes coupes, parce que là on n'a pas une grosse coupe, mais quand t'as des grandes coupes de 13 mètres, c'est pour éviter Ah que les oui. tracteurs. Oui, pour échapper la coupe, oui. C'est ça. Nous on n'a pas joué les gros. Les grandes folies, disons, avec ta coupe, on a pris une petite coupe normale. On a pris une coupe normale. On n'a pas pris une coupe de 13 mètres 50 ou. Alors là, on est dans le champ 22. On a fait 17 724 de blé. Ouais. Et puis en bottes, je marquerai le nombre de bottes quand tu les auras faites. Hop, allez. On va aller ranger la mosbat. Alors, type de culture, hein, sol. Ah oui, il n'y a aucune donnée, oui. Donc il faut faire les analyses, c'est vrai. Première chose. Les analyses. Les analyses d'urine. Oh, j'ai mis de travers ma coupe là. Lâche-moi. Je sais pas si elle est bien placée ici. Mais dedans. Et on ramène. Ah, là, c'est de ma faute. Là, j'ai été trop près du bâtiment. J'ai pas pu tourner. Là, c'est de ma faute. Voilà. Ouais.
Ok, tac. On décharge ça. Et les bennes, ils sont rangés où là? Y a qu'une benne. Ouais, bah la benne, on pourra venir la ranger à côté de la moissebatte. Si tu veux. Hein, ça serait pas mal, je trouve. Ça fait sa place. Bon. Ah, t'es parti faire le machin? Je suis parti ramasser les bottes. Ouais. Le machin. Oh, je pense qu'on va le charrouer, hein. Par contre, ouais, j'ai plus de tracteur moi. Ah si, t'as le jeune dire derrière la benne. Il faut l'analyser déjà. T'es parti le faire? Non, je suis parti ramasser les bottes de paille, Francis. Bah le. La quoi? Le comment? La porte du batteur, elle est ouverte. Je croyais que t'étais parti avec moi. Ah non. Non, bah, je suis à côté de toi. Alors ça c'est du blé. Le blé de toute façon on va le stocker. Hein. Ouais. Pour le moment. Mm. Pour le moment on stocke. On a assez d'argent de toute façon, donc on ne cherche pas spécialement à vendre. Non, puis je pense pas que ce soit le bon moment. Bon bah non, on est au mois de septembre. Alors je sais jamais où il est le silo moi. Devant la ferme, devant le petit îlot là. Oui mais c'est bien ce que j'avais dit. Oui là je vais trop loin là. Voilà, j'arrive pas à m'y faire à la porte là. Ah. Non, ça la porte. Bah si tu veux pas passer sous le port, tu passes par la porte sur le côté. Ah bah c'est pas ça, mais c'est que je passe toujours devant le porche et je le vois pas en fait. C'est bizarre. Ah, on va y mettre un stop. Un gyrophare. Ah oui, je sais pas pourquoi je passe à côté tout le temps. Des choses comme ça. De... Ah, puis un stylo en face l'entrée là. Ça faut que je fasse sauter ça. Parce que là, franchement. Stock ça. Donc on va aller voir si on nous envole pas au passage. 10, 17 pieds, 724. Ah, tu vois, le point de vente, c'est en mois de janvier. Donc, c'est pas maintenant.
n'était pas facile à ranger là. Ouais, faut qu'on trouve une autre solution. Faut qu'on trouve autre chose, rien à faire. Sinon, qu'est-ce t'en dis si je les mets là? Pas trop chez le voisin. Je vais mettre là pour l'instant, si ça va pas, on échangera de place. Et mais où? À côté de la bétaillère. C'est qu'il y avait l'armoire. Ouais. Ouais, bah c'est là qu'il faut les mettre. Ouais, ouais. Je vais les mettre là parce que je veux pas me... Puis là-bas, on pourra faire, c'est ranger du petit matériel éventuellement. Ah bah on pourra ranger tout le matériel de fauche là-bas. Ou si t'as commencé à mettre les balles. Ouais. Ça sera bien là. Tout le matériel de fauche. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. T'en penses rien. Et puis j'étais bloqué, j'étais en train de me débloquer. Ça va pas non plus, regarde. Ça va pas. Leur cousin, il tape dedans, en haut. D'accord. Donc là, ça va bien. Ça va pas non plus. Bon. Même ça. Alors, faut qu'on comme ça, faut qu'on trouve. Ouais, faut qu'on trouve vraiment quelque chose d'autre. Parce que leur cousin, là, il tape en haut. Ça va pas. Ok. On va trouver une solution. Ça, c'est pas un problème. Oui, on va trouver. Ah, pour l'instant, tu le laisses sur le. J'ai réussi à décharger. T'as réussi à décharger quand même? Ah, ouais, ouais. Mais je l'ai pris qu'une fois. Mais. Après, on voit où on va mettre ça. Ouais. Je les ai pas envoyés mes trucs. Quelle andouille, je les avais pas envoyés. Allez, ben c'était du propre, toi. Ouais, bah c'est pas du boulot de patron, ça. Ah non. Eh ben. Bon, on va attendre que... Non, bah de toute façon, on va attendre les charrues parce qu'on va le charruer, le truc. Tout ça pour dire, bah je vais économiser... Ah non, non, pour payer quand même, tu les as pas gratuites. Hein. Allez, hop. J'ai attelé une charrue.
Ah. Qui est en douille. Ils ont du mauvais coating. Ah. Ah, c'est tombé. Aïe. 800 euros. Ah bon? Trop chien par rapport à l'autre. Bah, il est plus petit, mais ça fait cher quand même. Tu regardes bien la superficie. Bah, bon, ça c'est que je raccroche partout avec la machine. Moi. Bah, tu l'as plié? Bah, non. C'est pour ça que je raccroche partout. Hey, j'ai raté comme il faut mon coup là, tiens. C'est pas grave. Ah, je me rappelle plus quel bouton qui me sert à... C'est comment c'est con que c'est déjà. Oh. J'en ai la charrue. Moi c'est le B, mais pourquoi je sais pas. Ça y est, j'ai trouvé. Non, c'est pas ça. Tournez la charrue. Bon, ça va falloir que je regarde mes touches là parce que. C'est pour ça aussi que j'avais abandonné les charrues parce que. C'est X moi sur le. Si c'est CX moi sur le, mon bouton. Bah moi c'est B hein. Il dit que c'est B. Moi. On est même pas tous pareils. Ça sort de la belle pierre. Et voilà, on charrute, on charrute. Un beau petit labour.
Ouais, il y a l'air d'avoir des cailloux. Hein. Ouais. Ouais, moi j'en ai pas mal. Hein. J'arrive pas à ce bout. L'arbre me gêne. Eh bien, donc on va vous laisser là sur sur la charrue. On va vous dire aux prochaines vidéos. En vous remerciant d'être resté jusqu'au bout. Et à bientôt. À bientôt.